quite ridiculous costumes. And this is the traditional street carnival in Olinda. We're on Huj Place Jimayu, very close to the house that we're using as a base in couchsurfing parading. And you can see absolute chaos here. People dressed, men dressed up as women, women dressed up as the Flintstones, men dressed up as devils. I just asked these guys. Mas por que diabos? Porque nós não vamos para o inferno lá que é pé quente. On trouve le carnaval dans beaucoup de cultures pendant les jours précédant le carême, quand les gens doivent s'abstenir de tous les plaisirs charnels. Pour compenser, avant le carême, on se gâte de ces plaisirs charnels pendant le carnaval, comme la viande, l'alcool et d'autres choses. Le Brésil est hôte du carnaval le plus connu, donc j'ai décidé d'investiguer pourquoi celui d'Olinda dans la région de Pernambuco est si spécial. Le niveau d'ivresse est évident dans les rues et ça dérange quelques personnes. Bien que le carnaval de Rio ou de Salvador suppose beaucoup de concurrence entre les groupes de défilés, à Olinda, on a une manière commune de fêter le carnaval tous ensemble dans la rue. Tout le monde peut se joindre à la musique et il y a souvent beaucoup d'improvisation. On appelle blocos les groupes de défilés où chacun a sa propre personnalité et style de musique. Pour en découvrir plus, j'ai posé quelques questions à Andrea. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le carnaval? C'est l'alegria, la diversion et le frevo no pé. Elle était trop timide pour me montrer du frevo, mais on a dansé un peu de forró plutôt. Le forró est un style de musique qu'on danse à deux et il a ses origines où je me trouve dans le nord-est. Saber dançar forró aqui no Nordeste, todo mundo tem que saber. Le frevo est très populaire pendant le carnaval d'Olinda car il vient aussi de cette région. C'est une combinaison de musique, de costumes et de danse. Normalement, un bloco a une petite parapluie multicolore qui représente la région. Il l'utilise dans son très bien coordonné. Le maracatu est encore un autre style qu'on voit souvent. Il a des attaches africaines du commerce des esclaves et il se pose des batteries à un genre presque entièrement fait des femmes. Mais c'est les gens de ce carnaval qui le rendent spécial.
il est facile de s'arrêter et rejoindre un groupe sans connaître personne. Donc j'ai continué à poser des questions pour en découvrir plus. Ce groupe de fausses policières était content de coopérer. Cette femme a décidé de m'aider avec du maquillage indigène. Le prochain mec avait une approche intéressante pour attraper les femmes. Enfin, je me suis plus amusé au carnaval en me perdant dans la foule des gens. Les fêtes ont lieu toute la journée et toute la nuit et elles durent plus d'un mois dans cette ville. L'ambiance est incroyable et l'expérience sera toujours inoubliable pour moi.